défi, si vous aviez un petit message aujourd'hui à livrer, ce serait quoi? Ce serait de donner les droits aux femmes. Tous les pays presque du monde ont signé la convention de la CEDEF, la convention sur toutes les formes de l'élimination à l'égard des droits de la femme dans le Canada, et je crois que s'ils avaient ratifié normalement, les femmes allaient recouvrer leurs droits. Merci, madame. Merci. Bonjour à vous toutes et tous, mes sœurs et frères qui luttent pour les droits des femmes. Ninawasalimu kaka na dada ambao mmegombanisha kwa sheria wanawake duniani. Assalamu alaikum. Mon nom est Kapinga Katembo Kalonji. Je viens de la République démocratique du Congo. Je suis ici avec vous et avec mes sœurs d'Afrique qui viennent du Sénégal, du Niger, du Togo, pour clôturer cette marche mondiale des femmes. Nous avons marché avec vous cette semaine dans les rues de Montréal, Sherbrooke, des Joliettes et du Saguenay, et aujourd'hui à Rimouski. Nous continuerons de marcher en solidarité avec les Québécois pour lutter contre la violence et la pauvreté que subissent les femmes dans nos pays et les vôtres. Mes sœurs africaines et moi, nous sommes avec vous aujourd'hui grâce à l'appui des organismes de coopération internationale qui travaillent en appui aux associations des femmes. Je m'appelle Magetsi, je suis la présidente du réseau Civil Digel, une association qui regroupe 10 associations de femmes. Donc nous sommes à peu près 1200 femmes autour de ce réseau et nous venons du Sénégal. Carrefour canadien international, Unitera et le Crédit, d'avoir organisé notre venue ici, ainsi que le Comité québécois Femmes et Développement de l'ACOSI, qui favorise les liens de solidarité entre les groupes de femmes du Nord et du Sud. Nous vous remercions d'avoir partagé ce moment de solidarité avec vous. Nous repartons en Afrique avec la conviction que nous ne serons pas seuls à lutter et que le cœur des femmes courageuses comme vous bat au même rythme sur tous les continents. En ce moment même au sud du Kivu, notamment à Bukavu au Congo. Et j'invite mes sœurs africaines et sénégalaises particulièrement qui sont avec nous de vous faire une chanson dans la langue africaine, la langue sénégalaise. Nous vous livrons un message directement de la clôture de la troisième année d'action internationale de la Marche mondiale des femmes à Bukavu, en République démocratique du Congo. Les réalités des femmes congolaises sont difficiles à entendre, mais nous les écoutons et nous recueillons ce qu'elles ont à dire. Elles subissent des violences inimaginables. Elles accusent tous les coups des systèmes patriarcales et capitalistes. Elles vivent encore, chaque jour, les conséquences de la guerre, et ce, dans une extrême pauvreté. Pour ce rassemblement féministe international, malgré tous les efforts mis de l'avant par la Marche mondiale des femmes pour s'assurer de l'autonomie des organisatrices,
les autorités congolaises tentent constamment de récupérer l'événement, ce qui dérange plusieurs délégués internationaux et plusieurs femmes d'organismes congolais ayant participé à l'organisation. Malgré ces obstacles, les militantes de la marche trouvent quand même le moyen de s'assurer des espaces de discussion, d'action et de réflexion politique autonome et qui ressemble à notre mouvement. Cet enjeu nous rappelle l'importance de l'autonomie du mouvement des femmes partout dans le monde, au Québec ou ailleurs, afin de mener des luttes à notre couleur et à notre manière pour éradiquer la pauvreté et la violence chez les femmes. Cet événement nous donne du cœur au ventre. Si vous pouviez entendre la détermination et le courage dans la voix des femmes du monde, cela nous donne de l'énergie, de l'espoir et de l'inspiration pour poursuivre avec encore plus d'ardeur la lutte féministe au Québec et partout dans le monde. Nous sommes en contact avec des femmes qui militent dans des groupes, d'associations, de coopératives, de collectifs de femmes à une échelle locale, régionale, nationale et même internationale. Elles se mobilisent et s'activent chaque jour pour la justice sociale et pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Tant d'initiatives, de projets et d'idées originales qui fourmillent dans l'esprit des femmes du monde et qui permettent un changement social. Nous devons toujours nous rappeler que les réalités des pays sont différentes, mais que les défis sont communs. Avec ce message, nous vous apportons un vent de chaleur du Congo pour vous toutes réunies à Rimouski. Solidarité, justice, paix, liberté et égalité, signé Ève et Véronique.